Après ton évasion, tu étais confié à Jason Hudson de la CIA. Comment a-t-il pu croire en toi, tout en sachant que Reznov t'avait aidé à t'enfuir de Vancouver? Reznov... C'était mon ami. Mais il s'en est pas sorti. Victor Reznov était un communiste. Comment la CIA a su que tu n'étais pas compromis? Ils m'ont testé. Ils savaient qu'on me briserait pas, et c'est toujours vrai. Le gouvernement voulait Dragovich. Il voulait que tu le tues. Ouais. Et il y en avait d'autres. D'autres que je devais tuer. Qui? Qui, Mason? Blanchi est convoqué au Patagone. Jason Hudson était mon contact. On y est! Pourquoi le Patagone? Hudson m'a rien dit. À l'autorisation. Votre convoi est prêt, monsieur. Bienvenue au Patagone! On est en retard. McNamara. Votre réputation vous précède, monsieur. Dépêchez-vous. C'est tout de même la sécurité nationale qui est en jeu. Il ne craint personne, n'a pas d'état d'âme, pas de faiblesse. Il s'appelle Dragovich. Je crois que vous êtes déjà rencontré. Quand dois-je le tuer ? Content que vous soyez de retour, Mason. Notre invité, il est là. C'était comme si tout le monde nous regardait. Me regardait. On pouvait se fier à personne, alors. Même pas à soi-même. D'où notre présence, Mason, pour pouvoir t'évaluer. La crème mondiale, juste ici. Toujours disponible. On a toujours gardé l'œil sur toi. C'est impossible. J'étais au Patagone. Vous voulez dire qu'on est là? Mot de passe, monsieur. Autorisation Prospero. Héros distingués. Je me souviens. J'entendais des nombres. Je pouvais pas les sortir de ma tête. Autorisation Ariel. VIP. Je sentais un truc. Il a tout dévoré. Quoi, Mason? Le centre d'opération. Je crois pouvoir dire que la civilisation a été plus d'une fois sauvée. Je sais pas. J'étais comme dans un rêve. Phase 2, s'élever des ténèbres. Phase 3, pluie de feu. Tu te rapprochais de ton objectif. Ça fonctionnait. Ça marche toujours. Impressionnant, hein? Sycorax. Ce sanctuaire a été bâti en 1943. On l'utilise rarement. Merci, monsieur le secrétaire. Bonne chance, Mason. Monsieur le président. Agent Mason. C'est un honneur, monsieur le président. Asseyez-vous.
Nous sommes sous la menace des communistes. Notre liberté, notre mode de vie est en danger. Nikita Dragovitch. On me dit que vous êtes notre meilleur homme. En tout point. Je vous le souhaite. Monsieur Mason, chargez-vous de ça. Était de saboter la fusée. Mais ça a mal tourné, Mason. Oh, j'arrive pas à me sortir ces nombres de la tête. De Weaver. Faut qu'on y aille. Ouvre l'œil, Mason. On y va. On se bouge. Whisky, répondez. J'écoute, X-Ray. Soyuz 1 va bientôt décoller. On est en route. À vous. Compris. On n'a plus beaucoup de temps, Mason. On y va. Yankee 1-3, au rapport. Yankee 1-3, au rapport. Weaver ne répond plus. Tiens, regardez ce qu'on a là. Le compte à rebours a commencé. Voilà Soyuz 2. Décollage prévu 10 minutes après Soyuz 1. Droit devant, bâtiment des coms. Mason, il y a de l'activité sur la route. Va voir ça. Merde, c'est Weaver. Ils l'ont chopé. Votre collègue se refuse à expliquer sa présence dans cette enceinte. Putain, c'est qui, ça? Rendez-vous. Et vous aurez tous la vie sauve. C'est Kravchenko, le sous-commandant de Dragovitch. C'est votre dernière chance. On ne peut rien faire, Mason. Weaver est foutu. Je sais. Tant pis. Ça sent l'embrouille. Groupe Whisky, en position. Whisky couvre la route. Weaver s'est fait prendre. La base devrait passer en alerte maximale. Gardez vos positions, on est en approche. Compris. D'accord, on y va. Hélico, on approche, on se bagne. Suis-moi et me lâche pas.
C'est bon. Manie-toi. Il faut ses uniformes. Je prends celui qui est au sol. Tu prends l'autre. Allez. J'espère que t'as appris le russe à Vorkuta, Mason. Ça devrait aller. Faut qu'on sauve Weaver. Ne tire pas. Joue ton rôle. Hey, что это за шум? Эй, собаки, покарайте. Ладно, будьте начеку. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их. Да, да. C'est bon. Oxebonan devrait être devant. X-Ray, ici Whiskey. Ennemis en vue, je m'en occupe. Mine-toi! Qu'est-ce qui est arrivé à Weaver? Il a été compromis. On continue comme prévu. On se créera une autre occasion. Bon, on y va. Что происходит? Повышение давления. В отсаке 12А. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна вспомогать любые колебания. Эй, у нас проблема. Охрана квадрат не выходила обратно. Не выходить на связь. Je crois qu'ils ont trouvé les cadavres. Non, c'est bon. Faites juste comme eux. Bâtiment des coms, droit devant. Sniper! Sur le toit! Deux hommes en faction devant! Ok, Bowman, Brooks, débarrassez-nous d'eux. Un problème, за мной! T'es prêt? Nettoie bien tous les étages. Je coupe les communications. Mason, par ici. Arbalète, pointe explosive, vite! Couvre l'échelle. Ennemi, on approche par le nord. On est coincé. On a de la compagnie. Ils sont bloqués. Détruis ces véhicules.
Le camion! Surveillez le camion! Les coups de feu attirent l'attention. Ces connards nous bloquent. Sécurise la corde. Toi, tu tires. Fais vite, Mason. Allez, allez! Weaver. Bon à droite. Bon à gauche. Tu peux poursuivre la mission, Weaver? On y va! Tu as saboté le système de guidage? J'étais compromis. Trop tard pour la jouer fine. On passe au plan B. On peut peut-être encore bloquer le lancement. Il faut rejoindre le bunker auxiliaire de commande. Tu as sauvé Weaver. Tu n'avais plus qu'à trouver le groupe Ascension et tuer les savants. Non. Je devais tuer... Dragovic. Ennemi, le resto de nouilles! Mason, avec moi! Bougez-vous! On a un combat sur les bras! Mason, fais un trou dans ce putain de mur! Prêt! Il faut détruire cette fusée, à tout prix! C'est trop tard, je peux rien faire! Plan B, Bowman, à quoi de jouer? Ça doit le faire! Tire, Mason! Vite! Nom de Dieu! Sacrée façon de tester un prototype. Putain de con. Bon sang, restons pas les fesses! Allez au tunnel! C'est des salauds de nazis, ils méritent pas de pitié. On est là pour les descendre. Le reste du groupe Ascension va essayer de s'enfuir du complexe. Bowman, Brooks, faites le tour jusqu'au tunnel nord. Personne ne sort par derrière. Mason et Weaver, avec moi. Il est mort.
Il est temps de foutre le camp. Pas encore. On va traquer Dragovic. On sert à nouveau. Reste avec moi, Mason. Kravchenko s'est enfui avant qu'on l'attrape. Tu étais tout prêt. Dragovic était là, pas vrai? Ce salopard était introuvable. On a volé un BTR pour foutre le camp là. On perd notre temps. Il est complètement fou. Et on est tombé sur la voiture de Dragovic. Je le tenais. Satisfait, Mason? Pas avant d'avoir vu le corps. Dragovic, est-ce que la cible est morte? Crois-moi, ce salopard n'est qu'un petit tas de cendres.